Of a butterfly's wing can doom your fate, that the road sometimes takes back what it had given. But true love never dies, and now you know how the legend of the dead cruiser was born.
don't know is there's a gap between living and dying. Some say they've seen the dead cruiser in a flash of lightning or on the shadowy curves of the highway. Some say he was just a kid who met his... On va demander, bien évidemment, à Madame le maire, à Claude Giraud, de bien vouloir nous rejoindre. C'est le sponsor, la ville de Montceau-les-Mines, de ce maillot or qui est là. Ce soir, je crois qu'il y a peu d'étoiles dans le ciel. Les étoiles, elles sont ici, elles brillent ici. Bravo à tous les coureurs, bravo aux lauréats, et vive Montceau, vive le sport. Merci, on est là, on est là. C'est cool. Trop mal passé, on va dire, dans l'ensemble. Surtout les 200 derniers mètres qui ont été plus compliqués, parce que bon, c'est vrai que j'ai déraillé et puis bon, j'ai fini en roulis quasiment, quoi. Donc après, quand on voit les carcas, c'est un peu frustrant, on va dire. Non, sinon, ça s'est bien passé, belle organisation, nickel, quoi. Rien à dire. Bah, en fait, c'est la première année que je viens à cette course, la Ronde du Sud, là. J'ai déjà fait le circuit de la route de Saône-et-Loire deux fois de suite. Et là, c'est une découverte pour moi. Bon, le prologue, je suis pas un rouleur. Et des parcours comme ça sont vachement techniques. Que je préfère, quoi. Et du virage, t'adores, voilà. Donc j'ai pris mon pied et puis c'était bien, quoi. Un prologue de 2,1 km dans les rues de Montceau, assez technique, avec quelques virages, des relances. Voilà, je pense que ça a plu aux coureurs. On est assez satisfait parce que le public était nombreux. On a eu aussi une météo qui était clémente. C'est la première arrivée à Montceau. On était déjà arrivé sur les communes avoisinantes et cette année, donc, on a décidé de partir depuis cette commune. Demain tournu, 90 km dans la Bresse. Ballonné, le vent. Donc bon, on peut s'attendre peut-être à une première sélection parmi les coureurs.
5 km de l'arrivée, il plaçait une attaque, il n'a plus été rejoint et par la suite, il est venu remporter en solitaire cette victoire. On va applaudir le vainqueur de cette étape, le coureur de l'UC Voiron, Grégoire Percelet. Grégoire Percelet. Déjà, j'étais à l'arrière, tout en train de reboucher. Le niveau est élevé, je trouve, comparé aux courses que je fais d'habitude. Ça arrive souvent que vous soyez la seule femme sur les courses ? Non, d'habitude, on est 4 ou 5, en général. Là, c'est la première fois que je suis toute seule. Okay. Et vous connaissez la région ? Vous venez d'où ? Non, on vient de Bretagne, de la Pointe du Raz, tout au bout. Et alors pourquoi vous êtes venue à cette course en particulier ? On a un copain qui l'avait fait l'année dernière et qui nous avait dit que c'était sympathique. Et on s'est dit, pourquoi pas. J'ai tenu avec les gars jusqu'à 65 km. Et après, bon, je finis toute seule, mais ça va. Ça fait plaisir, je fais pas beaucoup de courses de cyclo, je fais plutôt du triathlon. Je suis pas très calculateur, donc quand j'ai les jambes, je roule à fond, voilà. Donc aujourd'hui, j'étais opportuniste, j'ai pu gagner, voilà. Donc je suis super heureux pour ça. Quand je suis sorti, je sais que mes collègues qui étaient devant, ils ont tout fait pour verrouiller un peu la course. Ça m'a permis de gagner du temps dans l'échappée, j'ai roulé à fond dans l'échappée. Sans poser de questions. Et par contre, derrière, ils ont fait ce qu'il faut pour que je puisse aller au bout. Ça paye, bon, des fois après, ça rate. Voilà, il faut quand même des fois peut-être un petit peu gérer. Voilà, moi, je ne suis pas dans la gestion, mais je vais voir avec mes équipiers. En fait, comme je disais au podium, c'est ma ville natale, donc j'ai tout fait pour vraiment le garder, pour rendre hommage à moi, puis à Tournu, où je suis d'origine. Quoi, donc, c'est un avantage d'avoir... Puis ça fait chaud au cœur de garder un maillot à poids dans ma région, donc c'est fort. Puis j'espère que demain, ce sera pareil, demain matin au moins, jusqu'à SNC, puis on verra demain après-midi. Vous l'avez senti comment, là, la course ? C'était nerveux, puis assez nerveux quand même. Il y a eu 3 chutes, donc forcément, quand il y a 3 chutes, c'est que c'était assez nerveux, quoi. Donc on est resté dans les roues, puis on a déroulé un maximum, pas trop forcé pour demain matin, puis demain après-midi, quoi. Et on peut vous souhaiter quoi pour demain, non ? On va pas dire à la caméra ce qu'on dit, mais... On dit quoi ? Bon courage.
La galère. Galère tout le long. Très long. Parce que ça va être dur. Déjà, ça va déjà visser au départ. Des rissons lèvent la fierté. De toute façon, je connais très bien. J'habite là, donc je connais les boss. D'accord. Et croyez-moi, de la voix, une fois passée, ça va faire du bien. Ça va être un avantage de connaître le parcours, non? Pas trop. Parce qu'on sait qu'on en chie, donc... Bah voilà, on est dedans, hein, ce coup-là, tout doucement, on se réveille. Hein, c'est pas facile, hein, t'es une nuit agitée. Et puis bah voilà, on prépare un petit peu les vélos, on voit un petit peu les et... un peu frais ce matin, voilà, on va mettre une petite laine en plus. Un bon petit déjeuner, un petit café, et puis c'est parti. On va aider les collègues, parce que aujourd'hui c'est la gagne. Ah, ça, on arrête les conneries, on arrive dans les boss en tant que jurassien, on est obligé de gagner. Et oui, c'est les jambes, la tête, c'est le vélo, c'est pas forcément un sport individuel non plus. Nous, on est une grosse équipe, on est une belle équipe, faut courir intelligemment. Et généralement, ceux qui courent bêtement, ils se font avoir à la fin. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, ça va piquer pour tout le monde, mais bon. Je conduis la voiture de l'arbitre René Bully, donc arbitre des échappés. Moi je suis dans la voiture suiveuse, enfin de voiture neutre pour les routes de secours. Pareil, on est derrière l'échappée s'il y a une échappée. Et sinon on est devant le peloton, on attend qu'il y ait une échappée. Moi je vais être à l'arrivée. Regardez les voitures officielles. Donc, les voitures d'équipement. On a installé le fil des transpondeurs qui va détecter les puces qui sont sur le vélo. Je suis arbitre en rouge. The first sound should be the stronger of the two and appear to be centrally located. De Bourg-en-Bresse. Okay. On a vu des pancartes toute la route là. Ouais, on était déjà là hier. C'est un bon grimpeur. Il n'aime pas les sprints dangereux. Mais là, on espère qu'il sera dans les premiers. Je m'occupe des classements de la course. Donc on a mis une petite puce sur chaque vélo. Donc vous voyez au sol le câble de détection qui est ici.
Ouais. Vous allez voir, automatiquement tout le classement va se faire. D'accord. Et après, il y a quand même une petite vérification à la vidéo. On est venu supporter nos coéquipiers qui sont sur la ronde sud Bourget. D'accord. C'est quelle équipe ? L'Océan Nazérien. On a un coureur qui est en 16e, 15e au général. Vous n'avez pas participé là aujourd'hui ? Non, parce que c'est pas ouvert aux cadets. Nous avons le plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui concernant cette étape, cette demi-étape. Les Chalonnais qui ont attaqué effectivement lors de leur premier col. Les coureurs de Voiron avaient placé un de leurs coureurs en tête, Thomas Serail, le co-leader. Moi j'étais un peu à bloc tout le long, donc j'ai réussi à limiter les dégâts. Mais ouais non, ça roule vite et puis il y a un paquet de mecs qui sont costauds quoi. Donc demain, cet après-midi, ça va être encore compliqué. Ça va être très dur, il va falloir s'accrocher et puis apparemment c'est très raide à la fin. Donc on fera ce qu'on peut à ce moment-là, il faudra tout lâcher. On s'amuse quand même. Oh, oui, toujours. Moi du moment que je suis à fond, je suis content. C'est vrai qu'à un certain moment, j'avais souhaité qu'une épreuve de ce type puisse avoir lieu en Bourgogne. Et voilà, j'ai eu la chance d'être entendu par Jean-Luc Bonnetin, qui a réuni un certain nombre de bénévoles autour de lui dans l'association Ronde Sud Bourgogne. Et puis ensuite, eh bien, il s'est trouvé que, en tant que président de l'association Vélos, j'ai été amené à en prendre la responsabilité sportive sur un plan officiel, puisqu'il faut être un club affilié à la fédération pour pouvoir organiser une telle épreuve. Donc voilà, c'est un partenariat entre les associations Ronde Sud Bourgogne et Vélos, avec le soutien bien sûr des autorités départementales et régionales du cyclisme. Elle est unique en son genre, tout simplement, c'est qu'en fait, elle est organisée comme une épreuve pour des coureurs élites. Simplement, elle est ouverte à la base du cyclisme, qui sont les pass cyclismes, qui sont des coureurs officiellement, c'est le cyclisme de loisir, bien que on les voit quand ils sont sur le vélo, ce sont de vrais coureurs. Mais bon, la catégorie de base en fait de nos licenciés.
passé? Dur. Quelques grosses difficultés, une forme qui était pas top par rapport à la chute d'hier, mais vraiment content et heureux d'avoir gagné. J'ai eu quelques collègues qui m'ont bien encouragé, ça m'a fait du bien. D'accord. Et c'est vrai que pour finir comme ça, je suis heureux quand même. Même si c'est dur maintenant, c'est dur à réaliser aussi. Julien Roux, mesdames et messieurs. Le niveau.